Bonjour, c'est Neige dans Basique. Elle a 29 ans, elle est toulousaine. Neige sort Athéna, son deuxième album, en référence au surnom que lui donne son équipe en studio. Une figure mythique qui lui colle bien à la peau. J'ai cru comprendre que c'était la déesse, une déesse grecque, des artistes, des artisans, de la guerre, de la résilience aussi. Je me suis totalement identifiée à elle. Je trouvais que ça correspondait bien à mon histoire et à la femme que je suis, l'artiste que je suis aujourd'hui. Neige réinvente un style bien connu, le R&B. Elle y mêle tout un tas de sonorités. Il faut savoir que je suis la dernière d'une famille de 5 filles. Donc j'ai des grandes sœurs qui écoutent du R&B, de la pop, de la variété. Mes parents qui écoutent du Warda, du Oum Kulthoum. Ça m'a enrichie, en fait. Enfin, l'alliage qui fonctionne parfaitement dans sa voix, c'est celui de la langue française avec la langue arabe. La musique arabe, je trouve que c'est très technique. C'est comme, en fait, le violon. On arrive à faire pleurer le violon quand c'est de la musique orientale. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait aussi en chantant en arabe. Le vibrato, c'est apporter une émotion en plus. Par contre, le français, c'est tout dans les mots, dans la force des mots. Athéna, c'est le deuxième album de Neige. Et foncez la voir sur scène. Elle sera à Marseille demain, à Toulouse le 15 et à l'Accor Arena de Paris le 18. Le mercredi, c'est session dans Basique. Ce soir, sur Culture Box, découvrez Demain Rapide. Que c'est...